Bonjour, donc je m'appelle Michel Denisot, j'ai écrit un livre chez Fayard qui s'appelle Bref de vie. C'est une succession d'histoires, il y en a à peu près une centaine, qui relatent des choses que vous ne connaissez pas sur des gens qui sont très connus, que j'ai rencontrés dans ma vie. Je travaille depuis longtemps, ça va faire bientôt 50 ans que je travaille, j'ai commencé très tôt. Et donc ça va de Marlon Brando, Dalai Lama, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Gérard Depardieu, etc., etc. Ce sont des histoires assez courtes, d'où le titre « Bref de vie », qui sont toujours situées géographiquement et dans le temps. Et je relate des faits. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est relater des faits. Et ce n'est pas donner mon opinion, c'est à vous de vous faire une opinion ou pas d'ailleurs. Vous pouvez simplement lire les histoires sur un tel ou une telle, et puis passer à une autre. Vous pouvez commencer par la fin. Vous pouvez piocher dedans comme vous voulez, vous arrêter, et je ne vous dis pas c'est bien, c'est mal, sur rien. Il n'y a pas de ligne éditoriale. C'est un livre pour passer un bon moment. C'est un livre pour vous détendre et pour apprendre aussi beaucoup de choses, souvent de façon ludique, parfois de façon émouvante. Voilà, c'est quelque chose des histoires qui me tenaient à cœur, que je raconte depuis un certain temps aux gens qui travaillent avec moi. Et puis c'est Bec Bédé qui, il y a quelques années, m'a dit « tu devrais faire un bouquin ». Cette année, j'ai eu le temps de le faire. Voilà, c'est fait. Ça s'appelle « Bref de vie ».